Intègre désormais ChatGPT. Microsoft a injecté plus d'un milliard de dollars dans OpenAI pour intégrer ChatGPT à Bing. ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle qui défraie la chronique. Bon, on va regarder ça ensemble. Quand on arrive sur Bing, donc on arrive sur cette page d'accueil, et là, bah, pour commencer, j'ai envie de lui demander, je vois qu'il y a quelque chose sur Pierre Palmade, il y a 1 heure. On va lui demander. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre Palmade? D'après l'internaute.com, un grave accident de voiture impliquant l'humoriste Pierre Palmade s'est produit vendredi 10 février. Ok, là on est le 11 février. Je lui ai demandé. Je vais lui demander. Est-ce qu'il est toujours en vie? Ça marche pas, super. Est-ce qu'il est toujours en vie? Donc j'ai dû télécharger Microsoft Edge. Alors il me dit que c'est alimenté par l'IA, qu'il peut y avoir des surprises et des erreurs. Donc là il nous dit pas qu'il est mort. Alors ce qui est intéressant c'est qu'il nous met les sources. D'où il prend des sources de plusieurs sites web et il les fusionne dans une réponse. D'accord. On peut dire, voilà, comment réagissent? Il me suggère même des recherches liées. Ok, donc là en fait, d'accord. Et il fait une synthèse. Il fait une synthèse. Waouh, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc c'est peut-être vraiment le futur des moteurs de recherche. Ok, donc là on voit, on était sur de l'actu, là on est sur de l'actu chaud bouillant, et c'est vraiment, comment dire, Elia fait une synthèse en allant piocher dans plusieurs sources. D'accord? Intéressant. Comment aider Pierre Palmade? Bon, c'est mal intégré apparemment. Comment aider Pierre Palmade? Après, on passe à autre chose. Hein. On va laisser tomber Pierre Palmade. Ok. Voilà. Donc en fait, il traduit ma question en une requête et après, ah, il fait des synthèses. Chapeau. Chapeau. Alors par contre, moi, je gagne ma vie grâce à mes sites web. Et là, je me dis, waouh, les visites sur les sites web, elles vont carrément diminuer, quoi. Les gens, s'ils ont leur réponse là, ils ne vont pas aller visiter les sites web. Ils peuvent le faire, mais ce n'est pas obligé. Donc, voyons voir ce qu'ils nous proposent. Ils nous proposent créer des plats, planifier des choses, des activités avec mon enfant, me remettre en forme, écrire un poème. Ok. Eh bien. Ok, on va dire, on va essayer sur Bing. Je prévois un voyage. Donc là, on a toujours, on a le moteur de recherche normal dans cette partie-là. Et là, on a la partie conversationnelle ici. D'accord? Donc, on va lui demander. Je vais cliquer sur Discutons. Ouais, je vais lui dire où partir au chaud en ce moment. Est-ce qu'il va comprendre ça? Arrêtez de répondre et où partir au chaud en ce moment. Donc là, je tourne ça, on est le 11 février. Donc il cherche. Ça sert à quoi? C'est pour faire une nouvelle rubrique. Alors, si vous cherchez des pays où il y a plusieurs délais, voilà, où il fait chaud en hiver. Donc il a détecté qu'on était en hiver. Il me propose d'autres pays. Ok. On va voir si ça marche. Propose-moi d'autres pays d'Amérique latine. Donc là, pareil, il fait des phrases à partir des sources. Il cite ses sources, c'est branché sur Internet directement. On voit ça. Ok.
Ok. Et quel est le meilleur pays pour partir en ce moment en voyage? Est-ce qu'il va rester là-dessus ou est-ce qu'il va repartir sur une nouvelle requête? On va le voir tout de suite. Là, c'est marrant. Il traduit ça en anglais. Ouais, ok, il dit que ça dépend. Voici une liste des pays qui sont ouverts. Donc il me dit les. Il me dit. Non, mais alors là, il a perdu. Il a perdu ma requête parce qu'il me parle de la Suisse. Je vais lui dire. J'ai demandé. Demandé les pays. Il fait chaud. Donc pour pouvoir y accéder, il faut que vous rejoigniez la liste d'attente et puis vous allez pouvoir les rejoindre. Vous allez pouvoir rejoindre Bing, le nouveau Bing qui intègre chat. Bon, ok. Alors là, je suis un peu déçu puisque il m'a pas donné la liste. Ok, on va passer sur autre chose. Voilà, je suis pas convaincu, hein. Créez-moi qui me propose des plats. J'ai besoin d'organiser un dîner pour 6 personnes qui sont végétariennes. Nanana. Alors, ok, on va rejoindre la conversation. Et moi, je vais lui dire, je veux organiser un dîner pour 4 personnes carnivores. Fais-moi des suggestions. Ok, donc il transforme en fait ma requête comme ça. Ok, menu 1, menu 2, menu 3. Ok. Je lui demandais de me détailler le. Détailler le menu 1. Hop. Alors, est-ce qu'il a compris le contexte? Salade nordique, machin. Ouais, il a repris. Il a repris les trois trucs et après, est-ce qu'il va me les détailler? Ok, donc là, il me donne les détails. Ah, c'est pas mal, hein, quand même. Ça, c'est pas mal. Ok, maintenant, je vais lui dire que je veux la. Ok, je vais lui dire. Alors c'est dommage, le micro n'est plus disponible. Donne-moi la recette du carré d'agneau. On va le laisser faire. Pendant ce temps-là, on va explorer les activités, écrire un poème. Ok, après on va essayer ça. On va essayer ça après, un poème. Donc là, ok, bah là j'ai ma recette. J'ai ma recette. Ouais, ce qui me fait un peu froid dans le dos, c'est qu'il n'y a plus l'accès au site web, quoi. Il donne la réponse et on va plus sur les sites web. Alors, il met les sources. Donc, si je clique sur une source, ok, on voit d'où il chope les infos. Mais pour les éditeurs de sites web qui gagnent leur vie avec la pub, etc., peut-être que ça va être des gros changements. Ok, les poèmes. Ok, donc il gère des poèmes. Écrit un poème sur l'hiver avec des rimes en ER. Est-ce qu'il va comprendre ce que je veux? Est-ce qu'il va comprendre? Prévenir, non, ça marche pas. Découvrir, réchauffer, câliner. Ouais, c'est à moitié compris quoi. L'hiver est arrivé sans prévenir. Nanana. Alors, je sais pas si c'est un poème original qui vient de créer instantanément. On va le voir tout de suite. Alors, j'ai mes réflexes. Je vais vérifier sur Bing, sur Google. Hop.
Non, apparemment, c'est un truc qu'il vient de créer. Il n'y a pas d'occurrence de ça. Donc ça c'est aussi intéressant. Écris-moi une rédaction sur l'hiver de niveau CP. Ok, maintenant je vais lui demander même chose niveau terminal. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un est-ce qu'on peut imaginer est-ce que c'est plus construit? Est-ce que j'arrive à voir si c'est différent de niveau CP ou pas? Ça a l'air plus évolué, en effet. Les étudiants, ça va changer la manière dont vous allez bosser, les profs aussi. Ok, maintenant, j'aimerais qu'on regarde. J'ai besoin d'aide avec mon code. Ah, ok, ça c'est cool. Pour faire du. Ça peut aussi nous aider à faire du développement. Donc là, l'exemple. Ok, donc là, il écrit directement un code en Python. Ok, moi je vais demander, écris-moi un plugin WordPress qui affiche l'heure et la météo. Donc là, toujours pareil, on a la réponse normale ici. Et là, on a le mode discussion. Donc il traduit ça en anglais. Et là, il cherche. Ah, il me dit qu'il peut pas. Alors, il me dit quoi? J'ai trouvé des plugins qui peuvent vous intéresser. Je peux pas vous écrire un plugin moi-même. Ah, je suis déçu. Je suis un peu déçu. Discutons. On va voir si on arrive quand même à contourner ces limites. Alors, écris un plugin WordPress. Donc, il me donne quand même les étapes. Bon, ça, ok, merci, merci. Tester, bon, okay, ça, c'est un peu nul comme réponse. Écris un plugin WordPress qui récupère les coordonnées géographiques. Est-ce qu'il peut ça? C'est vrai que ma demande était trop générique pour lui. Donc, on va voir si on fait par étape. L'idée là, c'est de décomposer. Je vous ai déjà dit. Oh, ben non, reste poli. Bon, ok, il peut pas. Il peut pas. Alors, il me donne quand même plus d'infos. Ah, bah si, il me donne quand même du code. Ok. C'est vrai que il m'a dit je peux pas. Je peux pas l'écrire, mais je peux vous donner des ressources. Ok, il me dit qu'il y a déjà des plugins. Il me dit si vous voulez le créer, vous pouvez utiliser différentes API. Ok, il me donne quand même un exemple d'API. Ok. Et maintenant, à partir des coordonnées GPS, comment trouver la météo? Donc il m'a donné un bout de code, bon, je ne vais pas le tester là, puisqu'on est en démo en direct, mais à voir ce que ça donne. Alors, il a disparu. Ah oui. Ah oui, alors quand on glisse vers le bas, il repasse en mode normal, et quand on glisse vers le haut, il repasse en mode dialogue. Donc là, il me donne des exemples. Ok. Ok. Donc il se rappelle bien le contexte. Parce qu'il sera, j'ai pas remis ici WordPress. Il se rappelle le contexte. Ok. Donne-moi le code correspondant. Est-ce qu'il va être capable de le faire? Pendant qu'il cherche.
Il peut pas. Bon, pendant qu'il cherche, voyons voir qu'est-ce qu'il nous suggère. Bon, des idées pour un. Ça, on l'a fait. Ça, on a vu ça, c'était bien. Ça, bof. Les poèmes, on a vu que ça marchait. Planifier une sortie. Ok. On va lui demander. On va lui demander quelque chose sur l'actualité. On va dire planifier une sortie. On va voir si le code. Ok. Bon. Montre-moi un exemple. Mais non. De code. Et pendant qu'il cherche, alors donc on peut avoir plusieurs fenêtres ouvertes en même temps et avoir plusieurs. Ok, ça c'est intéressant. Plusieurs requêtes en même temps. Bon, c'est gratuit, hein, j'ai pas eu à payer quoi que ce soit. On passe en mode discutons. Que faire à Paris ce week-end avec ma femme. On va voir. Donc là, je reviens ici pendant qu'il répond. Donc là, le code qu'il m'a donné, c'est quoi? Ah ouais. Ce code affiche un titre, une image. Donc ok, bah rien à voir avec ce que j'ai demandé. Nul. Nul. Je voulais un code qui affiche la météo. Un résumé, nanana. Il peut faire des résumés aussi. Alors, on va essayer ça. On va essayer ça. Il y a un livre là, je me rappelle plus le titre. Quel est le titre du livre Les idées qui collent? Si tu peux me donner ça. Les idées par deux gars. Ces idées qui collent. Ah voilà, Chip et then if. Ok. Je vais demander, peux-tu me le résumer? Un M à résumer. Ok. Waouh, il me fait un résumé. Ça change aussi tout. Il me fait un résumé. Donc. Ok. Donne-moi des exemples d'idées qui collent. On va dire d'idées virales. Je retourne voir mon code. Ok, il fait de l'humour. Il dit qu'il peut pas. Ok, des exemples simples qui font appel, qui font pas appel à un. Bon, ok, là c'est pas vraiment ce que je voulais. Pour mes idées, je peux aller le long du canal Saint-Martin. Je peux aller voir ça, d'accord. Allez, réserve-moi un billet pour l'exposition. Je fais exprès de ne pas mettre laquelle. On va voir si c'est bien celle-là. S'il a compris, il peut pas. Je dois le faire. Ah, il me dit, je vais aller sur le site. Ok, comment faire? C'est marrant, il met des petits smileys là. Comment faire? Comment faire quoi? Bah, comment faire la réservation? Ok. Alors, je pense qu'ils doivent prendre en compte toutes nos réponses pour améliorer au fur et à mesure leur modèle de langage. Ça marche plutôt bien, hein. Voilà, il me donne des exemples. Là, on était sur les idées virales. Détail
moi la pétition. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il va comprendre? Bon, il peut pas répondre. Et après la et après l'exposition ou dîner. Donc il m'a dit que c'est où? Ah. Exposition mis une orchidée au jardin des plantes. Ah ben voilà, il met recherche ou dîner près du jardin des plantes. Excellent. Ok. Ok, bah il me donne des exemples. Quel est le menu du pose Boboon? Est-ce qu'il peut le trouver? Est-ce qu'il a l'info? Ok, et il me donne le détail de la pétition là sur l'autre onglet. Voilà, il me donne le menu. Excellent, excellent. Quel est le numéro de téléphone? On va voir si. Quel est le numéro téléphone? Ensuite, on va faire un dernier test. On va lui dire, j'ai besoin d'une voiture rapide. On va aller voir. Donc j'ai besoin d'une voiture rapide. Donc il me propose la Tesla Model X, une Audi Q7, ok, d'accord, ou une Subaru Ascent. Ok, et maintenant, allez, je cherche le meilleur téléphone. Vous remarquez qu'il n'y a pas de pub là. Hein. Il n'y a pas de pub que pour l'instant, comme dans le moteur habituel. Là, il m'a donné le numéro. Waouh, c'est pas mal. C'est pas mal. Je cherche le meilleur téléphone. Ok, donc il me dit. Il m'en donne quelques-uns. Il me dit sur quoi il s'appuie. Donc on voit les sources. Si je lui dis quel est le meilleur des trois, normalement il devrait pas prendre en position. Quel est le meilleur des trois? Il fait comparatif. Il me donne des éléments de comparaison. Ok. C'est vraiment bluffant. Tiens, je vais refaire une autre recherche ici qui n'a rien à voir. Président. Ah. Quel est le président de la France? D'après Wikipédia, le président de la République française est le chef de l'État en France, exerçant les plus hautes fonctions du pouvoir exécutif de la République avec le gouvernement. Ok. Et avant lui? Alors, est-ce que ça marche? François Hollande. Ok. Bah voilà pour cette présentation de Bing. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous avez d'autres idées de vidéos, de recherche ou d'investigation avec l'intelligence artificielle, bah, je suis à votre disposition. Évidemment, on ne va pas se quitter sans la question habituelle. Comment devenir rentier digital? Forcément, puisque moi, je vous apprends comment gagner de l'argent avec Internet. Donc, on est obligé de terminer en beauté avec cette question-là. Voilà, il me répond. On peut vendre des formations, avoir un blog, faire du drop, investir dans les cryptos. Ok, voilà, ça me plaît. Ça me plaît. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Ciao.